le découpage d'un kiwi, hein, qui est un fruit exotique. Alors, avant tout découpage de fruits, l'important c'est de bien les laver, hein, pour respecter les normes d'HACCP. Il nous faut également une pince, une fourchette à entremets, donc par rapport à la taille du fruit. Là, une grande fourchette risquerait d'abîmer mon kiwi. Une assiette à entremets donc pour le client, une assiette à déchets et une assiette de tranches. Dans un premier temps, donc je vais découper le pédoncule comme ceci. D'accord. Planter la fourchette à l'autre extrémité et faire une légère incision. Donc là, il est important, hein, que les couteaux coupent vraiment très, très bien, sinon ça ne marche pas. Voilà, à ce niveau-là, donc je vais pouvoir commencer maintenant à peler mon fruit à vif. Alors, je vais peler le fruit en respectant la forme du kiwi. Hein, à la fin, je ne dois pas avoir un kiwi carré. Hein. Voilà. Donc ça peut être très vite, hein. Voilà. Voilà. Donc je passe à mon assiette de tranche. Je vais délicatement enlever mon kiwi, mettre ma fourchette là entre le fruit et la peau. Je vais couper des tranches à peu près de 2 à 3 mm. Bien régulière. Et bien perpendiculaire. Voilà. Donc à ce moment-là, donc j'en ai fini avec mon fruit. Ce déchet, donc je peux mettre sous le guidon, hein, comme ça ne se gêne pas. Donc j'ai mon assiette client et je vais raiser mon dressage de mes fruits en rosace, hein, d'accord, sans mettre le fruit sur le bord des assiettes. En restaurant, hein, c'est un fruit et demi par personne. Voilà, je mets celui-là par exemple au milieu. Et nous avons assiette de kiwi.